Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le quatrième épisode de mon Let's Play sur le jeu Prison Architect saison 1. Oui, c'est ça. Ok, je vous avais essayé la dernière fois, on était un petit peu dans le mal. C'était pas top du tout. Pour la simple et bonne raison que dans 11h56 minutes arrivent 34 prisonniers. Donc 66 plus 34, ça fait 100, donc il m'en faut 12. Donc en fait, il faut au moins que je fasse un autre bloc. Donc en fait, il faut aussi que je refasse un bloc. Oui, il faut que j'en refasse un. Il faut que je refasse un bloc à côté d'ici. Je pense que ouais. Je vais faire une organisation, tiens. Y a personne ici? D'accord, ils doivent être tous dans ces blocs-là. Ok. Plus 11 en attente. J'ai pas assez de place d'isolement. Je vais en refaire d'autres. Je vais en refaire d'autres. D'ailleurs, je vais faire une plus petite salle, du coup. Combien il faut? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais. Hop, je vais faire un peu d'isolement. Parce que là, je vois qu'il y a énormément d'isolement en attente. Hop. Ok. Faire passer l'électricité rapido. Voilà. Je vais accélérer un peu la vitesse. Donc, on a les douches qui sont en train de se construire. Les services. Est-ce que j'ai fait circuler? Ouais, faut que je fasse circuler tout ça le temps que ça arrive. Ah oh, merde, j'oublie. Pousse-toi, que je puisse. Mode bloqué ouvert, le temps que vous puissiez construire. Mode bloqué ouverte. C'est parti. Là c'est bon, ça a été fini. Si c'est le cas, c'est bon. Toi, mode bloqué ouverte, c'est une très mauvaise idée. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi vendre les. On va vendre les bouts de bois qui traînent parce que ça fait pas propre. Du tout. Ça fait un peu de thunes. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Ça m'a l'air d'aller. Là, on avait dit qu'on faisait l'armurerie, mais il fallait que je débloque l'armurerie. Elle en est à où, l'armurerie? Ah. 8, 7, 6, 5. Ok, c'est bon. Alors, l'armurerie. C'est l'arsenal. C'est parti, mon kiki. On a besoin de quoi? Râtelier d'armes, casier de gardien et table. Ça va coûter un petit peu cher. Voilà, ça m'a coûté une blinde, mais au moins on va pouvoir assigner les deux gardiens armés à une patrouille. Oh la vache, qu'est-ce que ça coûte cher! Oh mon dieu. Ça traînasouille un peu, je sais pas vous. Je trouve que ça avance pas beaucoup. C'est dégueulasse, ma prison est dégueulasse, il faut que j'achète des concierges encore. J'ai oublié de faire autre chose qui s'appelle une évolution de la cantine. On va augmenter un petit peu le déploiement. Oula, ici aussi. Les zones à gros risque, on va déployer un peu plus. Là, c'est gentiment en train de construire. On va faire d'autres cellules d'isolement. Toc, je vais les faire, cellule d'isolement. Voilà, c'est bon. Toi, on va te fermer. Hop. Qu'est-ce que tu t'es foutu ici, toi? Débile. On va mettre une porte du personnel. Ok, ici c'est bon. Il me reste 9h. Il faut aussi que j'engage les. Gardien, mais évidemment, c'est pas encore posé. Ok. Il me reste 9h. Il faut encore que je fasse un bloc. Au moins un. Donc, je vais essayer de décaler de 3. Je ne me souviens jamais. 12 par 19. 1, 2, 3,
On va essayer de mettre un passage quand même. Hop. Ok. Grande porte de prison. Ok, c'est parti. J'ai pas fait passer non plus le hot water pipe. Ah, il faut quand même que je tire jusque là-haut. Faisons tirer jusque là-haut. Je pense que deux blocs par hot water pipe, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, en plus, faut que je le fasse tirer sur les douches. Hi, lol. Comment dire? Oh, ça va, 148 en hot water pipe, ça va. Par contre, je peux en avoir 3 des gardes armés. Voilà, le quatrième arrive. Est-ce que j'en mets un quatrième? Non, on va laisser comme ça. Déployant. Patrouille armée. On va mettre sur l'allée qui... On va mettre sur l'allée qui a besoin. Et là-haut. Ok, c'est bon. On a eu masse thune. On va bientôt avoir la masse thune du... C'est déjà fait. Ils sont allés super vite. Ok, alors. Bon, là, on va arriver à des trucs un petit peu plus compliqués. Ouais. Des formations. Buanderie, cuisine, placard. Haute sécurité. Ça vaut très très cher. Par contre, ça va être long à installer. On peut essayer de le faire si on construit tout le système de quartier de sécurité là-haut. Là, je sais pas trop ce qu'on va mettre, mais on va mettre quelque chose. Ouais, je pense qu'on va essayer de faire ça. La formation qui va coûter une blinde aussi. Il faudrait que je me concentre un peu sur la formation aussi. On va tenter le CCTV. Tout ce qui est CCTV, on va essayer de... Donc la surveillance, les tasers, les pare-balles, guard tower, oh la vache. Ok, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Formation. Ça va être utile. Le travail. Oui, le travail aussi, il faut que je le fasse. Bon, par contre, là, ça va me coûter une blinde. C'est le cas, ça me coûte une blinde. Bon, à partir d'ici, on va pouvoir commencer le temps qu'il me démonte les arbres. Démontez-moi ces arbres, s'il vous plaît. Ouais, c'est super long. Hey, il y a des trucs qui s'appellent des tronçonneuses. L'abattage d'arbres, ça peut aller très vite hein, maintenant. Je vais aussi, avant que ça casse... Oh, ça va. J'en rajoute un quand même. Je pense qu'il faudra que j'essaye de mettre une nouvelle centrale un peu plus loin. Genre quand on atteindra par ici, je mettrai une nouvelle centrale et une nouvelle pompe à eau. Parce que je pense que ça suffira pas. Ça va casser au bout d'un moment. Qu'est-ce que je voulais mettre? Oui, copie, quick build, clone. Voilà. Tout cela est plutôt efficace. On va faire circuler les services. Je pense que ça ira au niveau de la taille. C'est un peu dommage que j'ai un peu raté mon coup à ce niveau-là. Au niveau du... Flutes. Au niveau de la largeur de l'augmentation de la prison ici, là. Donc on va la grosse partie, je me suis un peu raté parce que du coup, il n'y a pas la place pour faire un nouveau compartiment. Bon, on verra bien. On va essayer d'étendre aussi dans la prochaine vague. On étendra par cette zone-là. Voilà, on peut lâcher... 24 000 extensions de cuisine nécessaires. Alors je fais une deuxième cuisine. Et on les dispatche sur deux différentes. De manière à écarter un petit peu les dangers. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. On va faire une copie conforme. Dans l'autre sens. Je vais aussi mettre des pavés histoire d'accélérer un petit peu les déplacements. La petite autosave.
Ça fait plaisir. Voilà. Toc. On va faire descendre ça. Ça va me coûter une blinde encore. Les pavés ici, c'est bien. Je vais faire un check-up aussi dans pas longtemps, je pense. Même si on en a fait deux dans l'épisode précédent. Je pense que ça va être vite être nécessaire. Ok. Je vais augmenter. Comment ça s'appelle la cantine. Il faut clairement que je l'augmente. Je vais rajouter un. Table de service, non. Table de service, je pense qu'on est bon. Je vais rajouter des bancs. Oh, ça rentre pile. Par contre, ils vont un peu se monter dessus. Ok. Ensuite, ce qu'il me faut. Oui, bon, ça sera pas beau, mais c'est pas grave. Ça passera pas bien. Bon. Peut-être qu'un seul évier, voilà, ça ira bien. Et je vais rajouter un cuisinier. Voilà. Il y a des trucs qui explosent, je sais pas trop quoi. Ah oui, par contre, là, j'ai perdu ma stune. J'ai perdu vraiment ma stune. Ensuite, organisation. Non. Non plus. C'est où pour le... Voilà. Distribution alimentaire. Oui, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Température. Hey, les endroits où il fait un peu frais. C'est cool ça, cet indice thermique. Ça indique là où il fait chaud et là où il fait pas chaud. D'accord, on voit qu'il manque un peu de tuyauterie. Bon, l'électricité dans les murs, on s'en fout. Travail pénitentiaire, c'est pas tout de suite. Distribution buanderie, je n'ai pas encore fait de buanderie. Qualité de la salle. Classé 1. D'accord, j'ai vraiment des trucs pourris. J'ai vraiment des salles bien pourries. L'occupant peut évoluer vers 3. Je sais pas trop comment ça fonctionne, ça. Pour le coup, je suis... Pof, je connais pas trop. Donc, les 20 000 vont arriver. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On va vendre le petit bout de bois qui traîne. Truc qui traîne. Ok, bon là les camions, oh la vache, tout ce que j'ai construit, on va peut-être Uber accélérer. Parce que là on voit qu'ils ont énormément de choses à construire. Du coup ça va prendre peut-être un peu de temps. Oula, 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 j'ai entendu comme quoi il y avait une riotte. Non, c'est bon, c'est bon. Ça se plaint, ça a tendance à se plaindre toujours à cette période de la journée. C'est pas cool d'ailleurs. Dernière cellule à être faite. Et on va avoir le droit à la subvention. Bim! Les 20 000. Ok. Ok, là c'est bon. On a une partie qui est faite. Ah, les bouts de bois qui traînent de partout là. C'est bon. Cassez-vous. Il me reste 30 minutes avant l'arrivée du nouveau peloton. Je vais d'abord faire un truc qui s'appelle. C'est où le. Pas l'évaluation. Nope. Meurtre, sanction, isolement pendant 4 heures. C'est tout petit! On devrait essayer de faire la politique. Je vais faire une subvention qui est la. Voilà. Repasse à faible variété pour 2 jours. On va le faire maintenant, j'aurais dû le faire plus tôt. Un seul repas, ouais, c'est ça. Ok. Ok. C'est ça, en fait je vais essayer de déplacer les douches. On va augmenter le temps libre, on va mettre un peu de cellules derrière. Voilà, ça c'est bien. Il y a 2 fois de la cantine. Ok. Bah c'est très bien.
C'est très très bien. On va avoir la thune dans 30 minutes. Concernant... tiens, ça avance pas. Ah oui, il manque un petit peu d'électricité là. Un petit poil, ça devrait aller. Pourquoi il y a autant de lumière? Vous étiez pas obligé d'en mettre autant? Ah ouais, je sais. Je sais pourquoi. C'est à force de copier en fait. On se retrouve avec plein de lumières. Il y a les lumières du bâtiment plus les lumières de la reconstruction. Ok, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Je vais avoir besoin du coup de beaucoup plus de personnel. Toc, des maîtres chiens. Est-ce que je peux en mettre plus? Oui, je peux en mettre plein. Voilà. Ok. Il y a ça à faire aussi. J'ai plein de choses à faire. J'ai vraiment trop de choses à faire. Voilà, 47. Non, même pas. Il faudrait que je tape dans la moitié. Pourquoi 74 sur 100? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Il y a eu un gros trou dans ma prison. Ou alors ils ont tous été libérés. Il y a dû y avoir un max de libération. De libération parce qu'ils ont purgé leur peine. Et c'est pas cool. Bon, ok. D'accord. Bah, c'est cool en fait. Enfin, si, mais je disais c'est pas cool, mais en fait c'est cool parce que du coup ça me laisse encore un peu de temps pour tout faire. Parce que là, ça veut dire que dans 23 heures. Dans 24 heures, donc dans une journée, on en a 23. 23 plus 74, on arrive à 97, donc on est à moins de 100. Donc je suis encore peinard à ce niveau-là, ce qui est très cool. Donc j'ai le temps encore de faire le... de faire cette cantine, qu'on va faire tout de suite. Voilà. On va faire circuler l'électricité, tout ça. Ok. Ok, toc, retirer. Voilà. Donc. J'ai oublié le service d'électricité ici. Ok. Bon. On va les mettre. Mettre au fond. Donc cuisinière. Non. Frigo. Évier. Ok. On va en mettre un déjà. Et il y a encore des bouts de bois qui traînent. C'est infernal. Il y a trop de bouts de bois partout. Voilà. On va déjà leur faire construire ça. Je pense que ça peut être pas mal. En vrai, du coup, j'ai vraiment masse temps. Hein. J'ai masse temps. 50 prisonniers, c'est plein de sérieusement. Et vous plaignez de quoi? Famille, tiens, je vais peut-être rajouter un ou deux. Les visiteurs boost. On va mettre une ou deux tables de visiteurs en plus. Ou trois, ou quatre. Ok. Là, on est bien. Quelques tables de. Ah non, mais non! Qu'est-ce que je disais? Voilà, les 100 sont là. C'est juste qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Shit, ça c'était pas prévu. Ah merde, moi j'étais parti en mode tranquille, on va y arriver, tout ça. Mais non, à 23h, il y en a encore un bon paquet qui arrive. Donc non, allez, on est reparti, il nous manque des trucs là. On repart. Oh merde. J'étais en mode trop chill, tranquille, c'est ça passe. La base, tranquille. Ah non, pas du tout. Pas du tout, je me suis fait totalement avoir et je vois qu'on est dans le noir ici. Ah oui, il y a juste pas de lampe. Je vais peut-être les mettre les lampes. Voilà. Ok. J'ai oublié de mettre les salles de douche. Ah merde. Douche, 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 douche.
Ceci est une douche. Vous avez le droit d'y aller. Ça libérera un peu l'espace. La cour, elle tient bien. Je pense que je vais en profiter déjà pour faire un allègement ici. Enfin, un agrandissement, pas un allègement. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Là, on va améliorer tout ça. Genre, toi, t'as pas de cellule? Ah, il vient te chercher. Non? Ok, t'as pas de cellule. D'accord, pourquoi pas. Bon, faut que je construise un CCTV. En plus de construire encore et encore des zones de détention, il faut que je construise un CCTV. CCTV qui nécessite... C'est où? Ah, et c'est dans la sécurité. Je crois. Pause. CCTV. Électrique, haute puissance. Je crois que c'est dans... Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment dans le... dans la salle de sécurité? Je pense. Je pense. Oui. Ça doit l'être. Ça doit l'être. Ok. On va partir là-dessus. Faut que je fasse les bâtiments. Bon, je vais faire un gros bâtiment ici là, qui va finir de remplir. Et je vais mettre une porte du personnel. Voilà, et on groupera derrière un peu plus tard. On refera des trucs, tout ce qu'il faut. Construisez-moi ça. Voilà, ça y est. Go! Go, go, go. Non, je vais pas prendre ça parce qu'en fait, à force, je rajoute trop de lampes. Zut. Zut. Voilà, c'est mieux. Les salles, on va les virer. Je me suis planté. Voilà. Et voilà. Comme d'hab, on est bien. En plus, on a pas mal de thunes. 32 000, je suis plutôt ok. C'est parti. Ça construit, ça construit. Oh là, on est tellement large au niveau des gardiens, c'est cool. Ils sont tous en train de bouffer, ou presque. C'est à la graille. Par contre, chez moi, c'est dégueulasse. Oh. On a besoin de tant de concierges que ça? C'est une horreur. Ou alors... Sécurité. Bureau, chaise, classeur. À la limite, on n'a pas forcément besoin... Si, la buanderie, on va la mettre là. La buanderie, on va la mettre là, c'est plutôt cool. On va mettre une buanderie ici, comme ça on va faire travailler... des gens. On va en mettre plus. On va en mettre plus. Mettons un peu d'espace. C'est bon, normalement ça devrait aller. Ok. D'accord. Ah, renseignement, ça pourrait être cool. Pourquoi j'ai mis en pause? Voilà, c'est mieux. La buanderie, comment ça fonctionne déjà la buanderie? Non, c'est pas ça. Logistique. Voilà, on va mettre les 13 travail disponibles. Ça va pouvoir faire... Ok, la distribution de la buanderie, on va mettre ça là. De toute façon, pas trop le choix. On va partir là-dessus déjà. Bon, ça devrait aller pour l'instant. CCTV. J'ai dit qu'on l'avait, on le mettrait par là.
Tout le système de sécurité, on va le mettre par là. Ok. C'est où? Sécurité. Il nous faut un bureau, une chaise, un classeur. Trop dur. Et le moniteur de CCTV. Oh, c'est gros. Système de commande de porte. Écoute téléphonique. Oh oui. Oh oui. J'ai besoin de à distance pour ça. Ok. Ça va me coûter une blinde. Mais au moins ça va être bien. Ok, donc les caméras, on va les mettre dans des endroits où j'ai personne pour s'en occuper. Pourquoi t'as t'es en mode je suis tout seul? C'est bizarre. Voilà, on va mettre des caméras par là, dans des coins. Oula, oula, j'avais pas vu, mais genre j'ai perdu ma stune d'un coup. Ça coûte un peu cher. Ok. L'armure de corps grâce à l'administration, d'accord. Ça m'a coûté un peu cher tout ça. Les tasers grâce à l'administration, c'est parti. Les tasers, il me reste 6 heures, comme ça on aura les 20 000 de sécurité. Ok. Wow, wow, wow. Riot, Riot, inconscient, inconscient, blessé, blessé. Oh là, oh là, oh là. Oh la vache, qu'est-ce qu'elles sont dures. Un décès. Merde. Quelqu'un qui est mort. Oh shit, qui est mort. Putain, les sorties. Eh, ils sont 12, ils arrivent à se tuer quoi. Pff. Bah quand même. Une bande de gros tarés de la vie. Ok, ici c'est bon, c'est bouclé. On va pouvoir commencer à construire la deuxième partie. Hop, je vais aussi démonter les murs. Voilà, c'est ça, démolir mur. On va pouvoir commencer à démolir cette partie-là. Hop. Hop, hop. Et je remarque qu'il est... Ça fait une demi-heure que j'enregistre. Du coup, vu que ça fait une demi-heure que j'enregistre, on va sans doute arrêter là. Oh, les mecs sont blessés, ils les font filer là. Ah ouais, d'accord, il y avait ici aussi, j'avais pas vu. Oh putain, vous êtes sérieuses, mesdames? Vous étiez pas obligés. Vous étiez pas obligés. Bon, ouais, en fait, il y a encore de la place là. Bon, ça tiendra pas, je pense, la prochaine venue, mais il y a encore un peu de place. Mais ça va être indispensable. Ok, 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 on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'espère que cet épisode vous aura plu. On arrive à la moitié. Bon, il y a eu un mort. On était à la moitié il n'y a pas longtemps. Donc, je rappelle, il faut que j'atteigne les 200 prisonniers. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.